Aujourd'hui les amis, c'est l'histoire de Brian. Et Brian, il veut tout simplement devenir policier. Et aujourd'hui, il a rendez-vous pour son premier jour à la police au niveau du commissariat de Los Santos. D'ailleurs, avant que cette vidéo commence, je vous invite directement à liker cette vidéo, mettre votre plus beau commentaire et également me suivre sur les réseaux sociaux. C'est d'une importance capitale, donc on va aller voir directement le sergent en espérant que bien sûr, il me permette de rentrer assez rapidement dans la police. Il y a un mec un peu bizarre là, bien en espèce de tenue de combinaison là. Toc toc toc. Bonjour monsieur. Bonjour, ouais. Ouais, bonjour. Excusez-moi, Brian, pour entrer dans la police. Ouais, qu'est-ce que tu veux? T'es quoi? T'es boueur? Alors déjà, on va arrêter de parler sur ce ton et ça serait bien d'arriver à l'heure. Donc du coup, on va se mettre directement au niveau des escaliers tout de suite et je veux pas vous entendre. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Je suis Brian, je suis l'instructeur. Attendez, mais vous êtes instructeur? Exactement, c'est moi qui vais vous faire passer à la session d'entrée dans la police. Oh nice. Est-ce que je vous ai dit de descendre des escaliers? Non, désolé, désolé monsieur le policier. Ok, je remonte, je remonte, oui. Dites-moi. Vous descendez, vous remontez, allez tout de suite, hop, on y va. Chef, j'espère okay. Que vous êtes sportif. Eh, déjà, moi c'est pas chef, c'est instructeur ici. Instructeur, oui mon instructeur. Allez, on descend et on remonte. Ok instructeur, j'aimerais vraiment rejoindre le LSPD, ce serait vraiment génial. Alors, pourquoi vous voulez rejoindre le LSPD? Alors, pourquoi je veux rejoindre le LSPD? Eh bien, tout simplement, je veux être mis au service du pays. Je veux tout simplement protéger la plupart personnes qui vivent et aussi leur permettre de vivre des jours heureux sans avoir peur de la méchanceté humaine. Donc, du coup, vous voulez protéger les citoyens de San Andreas, est-ce que c'est bien ça? C'est exactement ça, c'est exactement mon envie particulière à moi-même. Alors, pendant cette session de recrutement, il va falloir me prouver que vous êtes à la hauteur de protéger nos citoyens. Est-ce que vous êtes prêt? Ah oui, je suis entièrement prêt, je suis entièrement capable de protéger les citoyens, donc je suis prêt à montrer de quoi je suis capable. Et déjà, avant de commencer la session, est-ce que vous êtes sportif? Parce qu'il va falloir être énormément sportif sur cette session. Bien sûr que je suis sportif, comme je peux vous le montrer là. À l'heure actuelle, j'ai des énormes biceps, je porte 56 kilos en développé couché. Oui bon, par ça, main. Peu importe. Nous, c'est l'endurance. Donc du coup, il va falloir courir deux tours de commissariat à partir de maintenant. Allez hop, okay, allez. Oh, les mecs, je vais l'arnaquer. Il va croire que je vais aller super vite. Hop. Regardez, hop, il ne me voit pas. Hop, je passe là. Oh. Il n'a rien vu. Un premier monsieur! Ah bah dis donc, vous êtes bien rapide, vous. Mais comment c'est possible? Ah mais vous êtes le meilleur élève qui a fait le tour. Franchement, attendez, je repasse par ici. Jamais vu ça. Il ne me voit pas. Hop. Oh, c'est bon. Oh, mais vous êtes super... Attendez monsieur, mais vous êtes super rapide, comment ça se fait? Ah mais écoutez, moi je suis un petit peu un mec qui s'est entraîné pendant des heures avant de venir vouloir rejoindre les rangs de la police. Donc effectivement, je suis plutôt rapide. Je sens votre motivation complètement dingo. Donc ça me fait énormément plaisir. Donc du coup, premier exercice de mise en pratique, vous allez devoir arrêter ce monsieur là-bas et lui demander ses papiers pour un contrôle d'identité. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Contrôle d'identité, ici, inspecteur Bright. Il ne veut pas. Ah bah, s'il ne veut pas, on sort le taser et... Voilà. Donc voilà. Mais monsieur, est-ce qu'on peut avoir votre identité, s'il vous plaît? Ah, mais il ne répond plus. Bah, je crois qu'il est mort, vous l'avez tué. Ah, bon, bah voilà, bah, au moins il a plus d'identité, hein. Au moins on est sûr. Bon, au moins on est tranquille, exactement. Bon. Allez, venez, maintenant on va prendre la voiture et on va faire le test de conduite parce que vous savez que pour entrer dans la police, il faut être super doué en conduite, il faut être vraiment un pilote de Formule 1. D'accord, pas de soucis, mais écoutez, je pense être le meilleur conducteur, donc c'est parti. Voilà, donc dites-moi, hein, je vous suis, hein. Allez, hop, on va à droite. Ensuite, à droite? Non, non, stop, on s'arrête. Il y a un feu rouge déjà, on respecte un minimum. Si on n'a pas les sirènes, donc si on n'est pas en code 3, et on peut pas passer les feux rouges, monsieur. C'est pas possible. Ah oui. Ok, d'accord, je comprends mieux. Attendez, ok, d'accord. Donc là, imaginons, je suis en intervention. Donc là, jusque là. Bah non, là, il faut activer les sirènes pour être en intervention. Ok, j'active les sirènes, ouais, je suis en intervention. Ok, ouais. Pour le moment, ça vous plaît la conduite? Ah oui, pour l'instant, ça me va.
Bon, ok, on est bien. Eh, attention. Non, stop, on s'arrête tout de suite. Je descends, oui. Je reste à une minute de plus dans votre voiture. Mais pourquoi? Vous êtes vraiment très très mauvais en pilote. Non mais franchement, j'ai jamais vu un pilote aussi mauvais que ça. En tant que sportif, vous êtes très très bon, mais en tant que pilote, c'est zéro, monsieur. Bah écoutez, vous voulez peut-être à l'entraînement au combat pour que je vous montre à quel point je vais pas bien. Allez, entraînement, combat, main. Allez, venez juste ici, monsieur. Allez, bah venez, je vais vous emmener dans un coin sombre. Je vais pas vous casser la gueule ici, hein. Mais comment ça, me casser la gueule? Mais vous savez que vous parlez à un instructeur. Donc déjà, c'est... Oui, instructeur. Oui, instructeur. Voilà, ah. C'est ça que je veux entendre. Allez, venez, que je vous casse le museau. Attendez, on parle pas comme ça sur mon recruteur. Non, allez, vous avez quoi là dans les mains? Vous avez quoi dans les mains? Mais j'ai une batte. Vous avez quoi dans les mains? Vous avez quoi dans les mains? Mais on... Main nue, okay, monsieur. Ok, mais laissez-moi prendre mes mains alors. Oui, voilà, ok. C'est parti, allez, go. Allez, on se bat. Attendez, venez, faut être ici, monsieur. Voilà, allez, on se bat. Allez, venez. Alors, vous faites quoi là, monsieur, hein? Vous êtes mauvais, hein? Vous êtes très mauvais. Ok. L'instructeur est beaucoup meilleur que vous. Ok, je vais vous casser le museau, je vous le dis. Oh, bien joué. Allez. Attendez, parce que là, attendez, je vais faire mal, sinon. Voilà. Oh. Ok. On va dire que vous avez réussi l'exercice combat main nue. Donc, du coup, votre moyenne pour le moment est de 12,5. Mais est-ce que vous savez que pour entrer dans la police, on va avoir une moyenne de 15? Tout va se jouer sur l'avant et le dernier exercice. Oui, il y a juste un problème. Quand c'est-il que la police vous tire dessus? Alors, ça, c'est pas normal du tout. Allez, on se replie. Attendez, allez, mais vous êtes un vrai instructeur, rassurez-moi. Ah, exactement, je suis un vrai instructeur. Regardez, sinon, j'aurais pas pu avoir une voiture de police aussi belle que c'était, monsieur. Bah, ça me semble un peu bizarre votre histoire, hein. Ça me semble un petit peu tiré des cheveux et je commence à avoir un petit peu du mal à y croire, hein. Comment ça, vous avez du mal à y croire? Déjà, comment se fait-il que la police est en train de nous suivre au pet? C'est qu'un détail, c'est les collègues, c'est une mise en situation, monsieur. Une mise en situation, ok, donc c'est des braqueurs, voilà. Ok, donc je leur tire dessus, attendez, laissez-moi sortir. Ah non, pas là, ok, c'est parti, pas là. Ah si. Une mise en situation, c'est parti, vous inquiétez pas, vous allez être fier de moi, monsieur le policier. Non, regardez. Tu reviens ici, je te prends en otage, je reviens ici. Allez, Ouais, oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens avec moi, tu montes dans le véhicule tout de suite. Mais pourquoi vous me prenez en otage? Non, mais t'as vraiment cru que j'étais un vrai instructeur? Non, mais franchement, t'as vu la dégaine que j'ai? Mais qu'est-ce que vous allez me faire? Ah bah, attendez de voir. Non, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Bien sûr que je vais vous faire du mal. Mais pourquoi vous faites ça? Vous avez pas vu ce que vous avez fait à ma petite copine? Vous êtes sorti avec ma petite copine? Non mais vous... Qui ça, Lola? Exactement. Mais je savais pas que c'était votre copine. Bien sûr. En plus, elle a mon âge. T'es un malade, toi. Allez, hop, tu montes. Je monte où? Tu montes sur le mur et tu... On passe de l'autre côté. Allez, tu viens ici, Mais qu'est-ce que vous allez me faire? Qu'est-ce que vous allez me faire, monsieur le policier, s'il vous plaît, arrêtez! Viens ici, allez, tu cours après moi, allez, tu te dépêches. Oui, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu as touché à ma petite copine qui s'appelle Lola. En plus, t'es sérieux ou quoi? T'as pas son âge et tout? T'as quel âge, toi? Dis-moi. Moi, j'ai 24 ans. T'as 24 ans, elle est juste devant. J'en dis. Je vais devoir te tuer. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attendez, venez juste ici. Parce que sinon... Eh, mais vous faites quoi? Oh les gars, j'ai réussi à tuer l'instructeur. J'avais tout simplement un flingue sur moi. Mais il est complètement débile. Il a continué à regarder son regard. Mais par contre, le problème, c'est que maintenant, je suis un meurtrier. Je pourrais jamais rentrer à la police. Bon, c'est pas grave. Moi, personnellement, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura fait plaisir. Et passez un bon moment. En tout cas, moi, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un commentaire. Et bien sûr, monsieur sur les réseaux sociaux. Personnellement, je vous kiffe, je vous l'aime. Et je vous fais plein de bisous. On se dit à la prochaine. Tchou.